Parfait. Je lui dis ça fait 200, 220, 220 000 le prix de l'acheteur. Du coup, c'est ton collègue qui prend la facture, c'est ça? Ouais, c'est. Non, non, c'est moi, c'est Je moi. m'abuse, je m'abuse. Non, surtout pas, Tranquille, surtout pas, surtout tranquille. pas. Laissez-moi tranquille. Ah, le contender, il est à moi. C'est pour la blague. Ah non, moi, c'est bon, j'ai assez payé là. Et franchement, les vignerons ils sont bons là. Ah, mais il est trop beau. En vrai, il est même mieux en gris qu'en noir. Ouais, clairement. Merde, custom, pardon. Avec un shafter pareil, ça va être la folie. 16 880. D'ailleurs, ça vous intéresse pas une Futo? Ah, c'est vous qui vendez la Futo éclatée sur le market? Alors. Mais. Alors, elle sera Mais. réparée avant la vente, mais Non, je. mais les gars, T'es pas là aussi? c'est de l'amateurisme. Enlevez Mais ça si, et mettez ouais, une mais. photo avec la voiture réparée quand même, Mais putain. oui, mais t'étais pas là, je voulais la faire réparer. Ah, si tu veux, je te fais ça maintenant. Bah ouais, mais là, elle est loin, là. Ah, ouais. Ouais, ah, c'est bien dommage que je sois seul à être en service. Hein. Je sais pas ce qu'ils C'est mangent vrai en qu'il dehors. est. C'est pareil, on est... vu que t'étais fermé il y a quoi, il y a 20 minutes, une demi-heure. On a appelé le Firewiz, mais comme d'habitude, pas de réponse. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, ouais. Terrible ça. Du coup, attends, je prépare à l'avance. Hein. Tu vas changer des. Ouais, quoique. Ouais, alors pour l'instant, on Attends, va rien ouais. changer du tout. Ah, tu Attends, dis pour attends, la attends. couleur? Ouais, peut-être la couleur à la limite, mais il faut voir les prix, en fait, c'est surtout pour voir les prix. Ouais. Oh, le bruit! Oh, ouais, incroyable. Ça fait plaisir, les gars. Hein. Bah écoute, on teste. Hein. Déjà, on va mettre un petit coup de chiffon dessus. Ouais. Je vois bien, moi. Elle a fait de la main, elle a fait de la route, je le vois. Moi. Elle a fait le Dakar. Alors, pas le Dakar, mais elle a fait de la route, ça se voit, je le vois. Ah oui! Ah oui, c'est bon, ok. Ah oui! Ah oui, effectivement, oui. J'avais pas bien ouvert les yeux, je crois. Non, mais regarde bien, tu vois. Ah ouais, mais j'aime bien regarder là. Et là, maintenant, oui. C'est Ah beaucoup bah, mieux. c'est mieux. Il y avait... Ouais, mais après, c'est Vraiment, évidemment quand je ça commence à t'intéresse pas du nettoyer tout. ça. Non. Ah, merde, putain, je vais m'en débarrasser peut-être pas. Putain. Là, je me rappelle encore quand je te l'ai fait au tout début. En plus, ça... bah, en soi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai les custom. Ouais. Enfin, que j'ai fini la custom. Du coup, qu'est-ce que je fais? Déjà savoir le prix de la couleur du coup, pour pareil. Ah bah les peintures ça va être pareil, il va y en avoir pour 2000 ou 3000, un truc comme ça. Ouais, c'est le même prix pour toutes les Ah oui, peintures. c'est vrai, les peintures c'est le même prix. Et bah déjà tu peux faire la peinture. S'il te plaît. Tu veux la même que l'autre là-bas? Ouais. Ah, fallait me dire. Ah ouais. Merde, t'aurais dû doter la. Ah, j'ai pas pensé. Après, franchement, on n'est pas au pixel près hein, si ça ressemble. Donc métallisé. Oh non, il y en a deux. Oh, il y a deux. Ah bah si c'est bon, j'ai mais encore le... Acheter ça. Bah sur toutes les shafters, t'as de la peinture, tu savais pas? Bah j'avais oublié, mais oui, si je le savais. Bon, tu sais si on a du stock en fantôme? C'est quoi? 55, 58, 63. Attends, je vais rentrer. 55, 58. Si j'en veux 100. Ah, ça fera assez long en plus, 100. 300. Il est venu pour ce soir? Bah, il m'a dit ça serait bien, mais sinon, tant pis. Hein. Ouais. Si, c'est bon, vous avez de la chance. J'ai encore les Ah, séries. parfait. Du coup, la secondaire. Après, sur une shafter, ouais. Quoi? Ce gris-là, il n'y a pas de pareil hein, sur elle. Quoi? Le gris va pas donner pareil. Ah ouais? Tu vois. Oh non. Pas revenir ça. Bah, c'est à cause de la forme de la voiture. Et ah, c'est oui, pas la même ok. chose, tu vois. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Si quand tu la regardes comme ça, un peu bas, c'est quand t'es un peu comme ça, ah ouais. C'est pareil.
mais si tu la regardes un peu de plus haut, c'est ça fait plus clair. Mais oui, je vois. C'est très bien. C'est très bien. Je trouve même de haut, ça se ressemble beaucoup. Oui, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est l'éclairage, vu que la forme elle est différente. Ouais. Du coup, ça vous plaît comme ça alors? Ouais, c'est bien. J'ai peur en fait de lui demander de regarder les prix du reste. Bah déjà là juste la double peinture t'en as pour 4500. Les améliorations moteurs. Juste pour le prix hein. Ah ouais, j'ai bien compris. J'insiste. Ah c'est simple, tu l'as payé combien la voiture? 220 000. Ouais. Ah bah oublie. Ouais, ça va être. C'est quoi, c'est le prix de la voiture? Ou plus cher que la voiture? Non, c'est. Genre un quart du prix total, à peine. Donc là, attends. Je vais te dire le prix du moteur en performance maximum. Je vais faire un infractus là. Alors, non, pas un infractus, je pense pas, mais plus une syncope. Ah, ouais, carrément. Ah, il va saigner juste pour le moteur si c'est ce prix là, bon, pour toute la voiture. Alors pour te rassurer, enfin pour te faire comprendre avant de dire le prix, la performance totale en fait c'est le prix de la voiture. Ok. Et là juste le moteur t'en es à 53 888. Allez. Voilà. Les jantes. Tu sais c'est quel prix? 40. Je vais péter les plombs, j'avais pas moi j'ai acheté ça. Alors imagine la voiture du patron là-bas à droite. Ah mais mon dieu, mais ton patron il doit être blindé d'oseille. Ouais il l'est. Du coup, les jantes. Non, dis-moi il l'était maintenant qu'il a acheté ça. Ouais. Les jantes. Je vais taper dans le haut de gamme directement. Oh bah oui hein, vas-y hein, fais-toi plaisir. Bah c'est le même délire. Ah okay. Oh, c'est même plus cher. Que le moteur? Oui c'est un petit peu plus cher. Ah bah regarde même pas. Regarde même pas hein. Ouais bah ouais, je vois les prix. Je la regarde justement. Oh mon dieu. Le prix des vides teintées, au cas où. Ah ouais. Ouais. Ah tu vas te faire mal jusqu'au bout quoi. Ouais bah jusqu'au bout là, franchement on est parti hein. C'est plus cher encore. Non mais ouais, non. Non mais c'est pas normal, c'est pas possible. C'est combien? Oh, oh là j'hallucine vraiment, j'hallucine d'autre. À fond. De fil. Ah juste un peu. 369. Oh mon dieu, on est quasiment à 60. On est à 59 053. Oh là là. Non, 54. Là. Bref, 59 054. Oh wow. Mon dieu. Attends, mais ça coûte combien un pare-choc sur cette voiture? Attends. Fais-nous rêver là. Faut pleurer là. Ah c'est le même prix que le moteur. Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En fait toutes tes pièces sont à peu près au même prix sur la voiture. Non mais là on est d'accord que c'est n'importe quoi. Donc là en fait pour le prix de la voiture tu vas payer 200 000. Tu vas payer à peu près 200 000 pour la performance. Pour l'esthétique tu vas payer pareil. Et si tu vas rajouter des jantes et des vitres, t'es rendu pas loin du 500 000 en fait. Même c'est plus que ça. Oh putain! Ah bah j'espère que t'es déterminé. Ah plus trop là, tu vois. Je vais appeler le conseil, je vais dire écoute, on va faire une reprise. Bah. Dans les échappements, tu peux regarder vite fait aussi. Après, t'as quand même l'avantage d'avoir une plaque d'immatriculation BNP, Paris-Bas. Oh, ah, pas fait gaffe. Oh la classe! Ah, le style. Oh la plaque de banquier quoi. Vraiment, j'avais quoi sur le côté d'air? Oh putain! Je suis allé, bordel! C'est nul! Ah frère! Désolé, mais fallait que ça sorte, c'est un petit coup d'humour là, parce que quand je vois les prix, putain! Non, mais là je vais me tirer une balle là! Ah, mais moi j'en reviens pas en fait! Ouais, non mais. Ouais, mais non! Juste! Du coup, je fais quoi? Je mets des xénons?
Attends, on va aller voir l'hexagon. Non, mais même pas, hein. Non, mais vraiment pas. Hein. Pas trop de quel hexagon. Ah bah c'est pareil, c'est même plus cher que le moteur. Ouais, bah d'accord, mais... Ah ça par contre, ça... Juste, tu peux regarder le prix? Ça peut... Ouais bah pareil. Ah mais vraiment. Non par contre là, en fait, là la voiture, c'est... La voiture full modifiée, c'est 2 millions, tout va bien. Ouais, non pas 2 millions, mais pas loin ouais, du million, bah, ouais. Ouais, pas loin du million. Ah, pour une Shafter, c'est... Ouais, c'est exagéré. Hein. Bah carrément. Eh bah écoute, la peinture ça suffira. Et puis je vais bien aller me faire foutre, hein. Ah écoute, déjà faut dire que le véhicule par défaut est quand même bien puissant. Ouais, non mais... Quand même. Mais je pense qu'à mon avis, il a pas eu le temps de, ils ont pas eu le temps de finir les changements de fournisseur pour tous les véhicules. Parce que là, je viens de voir des aberrations quand même. Ah ouais? Bah, pour moi, c'est des aberrations ce que je viens de voir. Vas-y, explique-nous. Bah, c'est pas normal. Ah oui, bah oui, non, mais c'est pas normal, oui, mais. Normalement, au pire, faut vendre la voiture plus cher, mais ça coûte. Enfin, ça coûte pas plus cher que le prix de la voiture. Ah, mais c'est ça. Enfin. Ça dépend quoi. Ouais. Non, voilà, parce ouais. Que tu t'en sortes au pire au prix une full custom machin et tout au prix de la voiture, bon, ouais, c'est honnête. Moi je valide la peinture du coup, 4500. Ouais, bah ouais, bah c'est que je peux faire que ça, ouais. Ouais, ah ouais, je demande toujours avant de valider. Ouais, t'as raison. C'est un automatisme. Non, mais t'as raison. Du coup. Ouais, bah je te fais ta petite facturette. Faudrait que tu me montes un permis ou une carte. Nickel. Je mettais la plaque. Vraiment, la plaque elle me régale. PLP. Non, mais hésitez pas surtout à remuer le couteau dans la plaie. Hein. Y'a vraiment pas de soucis. Hein. Non, mais c'est pas le but. Mais vraiment, ta plaque, mec, juste pour ça, si j'avais les moyens, j'ai acheté la voiture. Hein. Sans blague. Hein. Sans blague, la Sultan full custom elle coûte moins cher que ça, elle l'a détruit, je suis sûr. Non. Y'a un monde. Hein. Oh. Ouais. Pense. C'est Shafter. Comment elle s'appelle exactement? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est une Shafter ouais. V12, hein, c'est ça? Ah, c'est ça. Ouais. Tiens, je t'envoie ça. Et voilà. Oh wow. Incroyable. Oh, franchement, j'en reviens pas. J'aurais jamais pu. C'est la dernière fois que tu la voyais. Hein. Mais vraiment, si cette voiture t'en veux pas, moi je te la rachète, putain. Non, c'est bon, je vais la garder, hein, mais c'est juste que je suis pas prêt de la recustom, quoi. Ah, bah oui, évidemment. Ouais. Après, tu sais bah, que c'est... cette voiture custom, ça bombarde violemment. Ouais, bah je oui, t'as pas idée, hein. C'est... Je pense que. Après mais... réflexion et après coup, tu vois, je pense que quelque part, pas pour rien que ce prix soit affiché, tu vois. Ouais, on verra. Si... De toute façon, je pense que je vais la custom, mais plus tard, quoi. Enfin, dans un moment. Ouais, une fois que t'auras fait des économies, quoi. Et au moins, ça pousse les gens à pas acheter des véhicules n'importe comment, tu vois. C'est sûr. Au moins, ça évite les abus, quoi. Oui, parce que c'est sûr que si tout le monde se travaille avec ça à full custom. Ouais, bon. Là, c'est la bombarde. C'est Speedy qui a pété un pont. Ah, tu m'étonnes. Tu vois. Je sais pas si leur voiture en plus elles avancent bien, mais. Oh, bah, vu que j'aurais fait tout. Faites pas trop les bonnes rangs. D'accord. Ah oh bah nous on va y aller nous. Bah ouais hein.
Ouais. Ouais, charbonné. Bon bah allez. Yes. Bonne soirée. À toi aussi, bon courage. Merci bien, bonne Merci. Soirée. Mais vraiment, ils ont tous eu leur véhicule personnel, les flics. C'est pas de blague. Ah ouais? Ah ouais. Ok, bah ouais, allez. Ouais, bon courage. À la prochaine. Bonne soirée, salut. Salut, salut. Je vais pas leur dire à combien est Wool parce que je le sais, mais gros. J'allais te dire salut, mais je crois que tu. What? Vous sortez d'où? Bah, on est passé devant toi. J'ai pas fait attention. Dis-moi, je peux te demander un petit service? Dis-moi, dis-moi. J'ai ma bécane qui a un petit souci de moteur. Au passage, j'aimerais vérifier un truc avec toi si ça te dérange pas. Ouais, j'ai un numéro là qui traîne. Est-ce que tu saurais me dire si c'est quelqu'un de chez vous? Un numéro qui traîne? Ouais, parce qu'en gros, je t'explique. Mais gros, j'en ai une liste énorme sur ma liste d'appels. Justement, c'est pour ça que j'aimerais savoir si ça te dit quelque chose. Mais je peux pas savoir, gros, tous les jours, on m'appelle 15 000 fois. Ouais, mais je veux dire, le numéro, si tu vois qui t'a appelé, je pense que ça peut te revenir pour quelque chose, tu vois. Ouais, ok. Alors, est-ce que par hasard. Alors, un numéro qui commence par 912. 809, 880, ça te dit quelque chose? Un type avec une voix assez douce qui a tendance à bégayer. Alors là, aucune idée. Putain, ce serait... Parce que là, t'as qui en employé, toi, de ton côté? Une voix assez douce qui commence à bégayer. Ouais, mais vraiment... Ah, qui a tendance à bégayer. Et qui a tendance à parler comme ça. Vraiment assez souvent. Alors là, non, jamais eu... Aucune idée. Ça dit vraiment rien. Ok. J'ai jamais eu de client comme ça ici. Bon, au pire, tu feras passer le mot. On a un type qui s'amuse à prendre une dépanneuse, donc on sait pas de quel garage, on suppose que c'est pas le Fly. Le truc, c'est qu'il s'amuse à récupérer les véhicules des gens dans le nord pour les foutre de l'autre côté du pays ou dans la flotte, etc. Ah, mais c'est arrivé à Jesse tout à l'heure, ça. Oui, mais je t'assure que lui, quand on va le retrouver, on va lui faire les deux genoux, voire même la tête à ce niveau-là, parce que je t'avoue que... Je veux bien qu'il y ait des embrouilles avec Jesse, hein, elle est très grande gueule, ça c'est pas le problème. Mais je t'avoue que faire des coups de pute comme ça, et encore plus dans le nord, en se montrant même pas, je t'avoue qu'il y en a un qui va vite comprendre, tu vois. Ok. Parce que ça commence à profondément péter les couilles, parce que le type, en plus de ça, il assume pas derrière, tu vois. Je l'appelle sur son numéro, hein, parce qu'il l'a appelé pour la menacer. Je lui dis, ouais, c'est toi qui s'est mis à voler des véhicules. Le mec, quand c'est en mode, non, je vois pas que des véhicules. J'étais en mode, oui, bah écoute. Ouais, non, mais dans tous les cas, ok, je voulais vérifier ça. Bah, tu sais, j'avais quelqu'un un peu plus loin. Pour te dire à quel point j'ai vu un truc bizarre hier, j'avais deux mecs là, devant là. Enfin, en gros, j'étais dans mon garage. Je vois deux mecs qui courent devant là. Donc, je vais voir. Mmh. Et je vois une dépanneuse à côté de la mienne. La leur, elle était éclatée, les pneus crevés. Et ils étaient en train d'essayer de piquer la mienne. Je vais les voir, je vous fais de quoi là? Ils me disent on est le flywheel. Bon, ça, ils sont. Attends, tu saurais me dire à quoi ils ressemblaient exactement? Oh, ils étaient habillés en noir, du gars de quartier. Des blagues, du coup, on est bien d'accord. Ouais, ils étaient mat. J'ai pas trop fait gaffe, c'est la nuit. Donc, j'ai pas trop fait gaffe. Dit comme ça. Non mais vraiment, j'ai pas fait attention. Okay, je sais qu'il y a la main qui était mal, j'ai pas fermé, vraiment, je veux pas te... Et par hasard, tu sais pas d'où il venait, par hasard? Aucune idée. On dit on a du flywheel, on avait une intervention ici. J'ai dit ouais, ici c'est le Belize, gros, abruti. Je lui dis comme ça. Non, quoi, parce que le flywheel, je les connais, et ça m'étonnerait qu'ils aient ce genre d'énergumène. Et pour le coup, ces abrutis, ils ont dû acheter une remorqueuse française du Nord. Ah, c'est sûr. Ok, bah écoute, si jamais par le plus grand des hasards, tu revois passer ces connards ou que ça te dit quelque chose ou que la description que je t'ai fait, ça te donne plus ou moins quelque chose en tête, appelle Jesse et dis-lui de me donner l'info. Je serai pour le reste, ok? Ouais, tranquille. Après, ouais, je vois. Il y aurait juste une embrouille dans le nord, c'est pas le problème, hein, ça, y a pas de soucis, on en a toujours. Mais le fait de faire ce genre de coup de pute et de pas assumer derrière, bon, ça va vite m'énerver, tu vois. Bah écoute. Je sais pas quoi vous dire. Au pire, essayer de faire un truc du genre, mais t'es mis un piège. Je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Non, mais je pense qu'on va faire ça. C'est comme ça que vous êtes sûr de l'avoir. Je vais faire un truc tout con, c'est que maintenant, je vais foutre un prospect tous les jours au Yellow, jusqu'à ce qu'il revienne pour faire sa connerie. Et dès qu'il va faire sa connerie, bah, on va la lumière. Ça va bien arriver, un C4, hein, le mec il va être gourmand. Et... Oui, non, mais ça a l'air d'être des grands débiles, donc on va. Je vais essayer de voir à qui appartient ce putain de numéro, et puis voilà quoi. Mais tu sais qu'à tous les coups, tu vas tomber sur un gamin ou une connerie. Hein. Mais c'est sûr et certain, mais dans tous les cas, ça m'empêchera pas de lui refaire les genoux. Bah, du coup, je t'amène la bécane, encore merci de l'info, hein, j'arrive. Ouais, pas de soucis.
D'accord, elle le suit quand même. D'accord, d'accord. Toute conversation, donc. Je me demande si c'est pas la dame du Kit Kat Coffee. Tiens, je te laisse la caler où tu veux la caler. Yes, yes, je m'occupe de ça. Et tu serais pas la dame du Kit Kat Coffee? Ouais, c'est moi, la belle patronne du Kit Kat Café. Ok, bon, enchanté. Bien, enchanté. Ouais, je me fous tout le milieu. Eh bah, ça avance bien. Nom de Dieu. De quoi? T'as dit nom de Dieu, ça avance bien. Ah oui, bah c'est fait pour après, tu sais. Ouais, par contre. Le moteur il couine un peu. Ouais, elle a pris quelques coups, hein. Moteur et. Moteur et fuselage, je vois rien qui va. Bah, en tout cas. Sache qu'il y a de fortes chances que tu me vois passer de temps en temps que KitKat Coffee. Enfin, j'arrête pas de dire, KitKat parce qu'à chaque fois j'arrive pas au KitKat Coffee. Ouais, t'es pas le premier à dire ça. Hein. Et en gros, j'ai acheté un animal il y a pas longtemps, donc enfin, je me suis pris un chien. Donc de temps en temps, je passerai pour prendre de la bouffe. Ouais, bien sûr, il faut bien. Puis vous pouvez vous assurer aussi d'avoir un kit de soins. Ouais, ouais, bah j'en ai deux là pour l'instant, donc. Mais ouais. Ah, c'est parfait ça. Ouais, l'ancien patron. Bouge pas, j'arrive, hein, je. Et pour le coup, ouais, c'est un peu bâtard ce qu'ils ont fait à la Jess. Ben oui. Surtout que le véhicule, quand il était garé devant, il était complètement éclaté, quoi. Je sais pas ce que ça valait. Ouais, des fois, c'est. Je sais pas ce qui leur passe par la tête. Bah après, on le sait très bien, parce que vu qu'elle est tout en train d'insulter tout le monde, ils ont que ça de travers, quoi. Surtout ça. Ouais. Ils ont pris ça de travers, du coup ils se sont dit, vas-y, on va les faire chier. Ouais, sans penser aux conséquences qu'ils viennent après avec, avec leur geste. Ah ça... Je crois, vu comment il a retourné, lui, là-bas, c'est... Je pense qu'ils vont s'en souvenir s'ils retombent dessus. Ouais, je pense que oui. Je suis pas inquiète là-dessus. Nice, ok. Bah, il va être content, il va être tout pelle de sa moto. J'ai pas compris. Il va être content, sa moto il va être tout belle. C'est le but. On est là pour ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Ouais. Il a bien tout fait dessus. Moi, juste une petite suspension. Histoire d'avoir une meilleure tenue de route. Belle moto, belle bécane. J'avoue, hein. Hop. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Ah. Excellent. Je l'essaye un peu, moi. Ah, la sonorité est cool, ouais. Ouais. Bah, monte dessus, tu verras. La sonorité est bien cool, moi j'aime bien. C'est bien. C'est bien lourd comme son. Ouais, comme ça. C'est agréable. Du coup, je te dois combien, dis-moi? Bah, 500 balles. Attends. Tu veux payer en cash ou... Pas de soucis. Non, fais-moi une facture. Ouais, alors attends. Oh là là, 600, ça va m'énerver, je le sens. Et voilà pour ça. Je te paye ça. Bon, après, c'est pas la fin du monde, hein. Vous allez bien finir par tomber dessus, c'est pas la peine d'être rongé.
Oui, non, mais je vais tomber dessus dans tous les cas, hein, ça c'est pas le problème, c'est juste simplement je considère qu'à partir du moment où le type fait des coups de pute aux nanas et derrière quand on l'appelle n'assume pas et chie dans son froc, bon, je vais apprendre à certains à retrouver un petit peu leur paire de couilles, quoi. Et bon, ah, bah ça va. Oh bah allez, je te remercie du coup. Et tu sais que j'étais dans le bar quand c'est arrivé. Ah ouais? Ah ouais, j'étais là. Et t'as pas vu... Bah non, on a pas vu. Un petit détail, ah oh, fuck. Bon, c'est pas grave. C'est mon patron qui a vu ça par les fenêtres. Il s'est mis à courir. Tout le monde a suivi et là, plus de véhicule. Alors attends, ok, bon, je te remercie, encore désolé. C'est pas de soucis, pas de soucis. Mais vous passerez au café. Ouais, ah ouais, je passerai, oui, je passerai. Y'a pas de soucis. Là de suite. Bon, bah, de toute façon, on arrive, je crois que je sais où c'est finalement. Tout de suite. Ah. Leur paillage, tu sais où c'est par hasard? Leur paillage? Bah, il y a plusieurs endroits. T'as trois lieux pour leur paillage. Alors, voyons voir. En fait, pour leur paillage, tu vois le petit ruisseau qui descend jusqu'au vignoble? Ouais. Il y a trois spots, c'est ça? Donc, non, en fait, t'as deux spots qui sont juste avant les vignobles. Et t'as un spot que dans les montagnes tout à l'heure. Je sais, j'y vais tout le temps là-bas. Ok, impeccable. Je te remercie, c'est cool. Pas de soucis. Ouais, nickel. Mais bon, si tu regardes ton GPS sur ta moto. Ah ouais, t'avais. Tu vas avoir un GPS, non? Ouais. Pas sur cette bécane, mais t'inquiète pas, je vois où c'est. Sur un GPS, tu devrais trouver. Ok, bah je te remercie. Vas-y. Merci. Au revoir. Ah putain. J'avais peur que je parle à sa nana, lui. Nom de Dieu. Quel acharné. Il va leur tomber dessus, hein. 100% mon vieux, il va les arracher. Alors, réparation. Après vraiment, il joue vraiment, son RP c'est vraiment chevalier quoi. Il fume. Excellent. Chevalier de la table ronde. Le Batman. J'imagine pas s'il se passe vraiment quelque chose de grave. Le mec il va se ronger jusqu'à me faire une syncope. Mais en vrai il a raison, tu vois. Parce que s'il laisse passer ça, après les mecs derrière ils vont manger plus. Oh bon, les fils des merdes, c'est pas mes histoires. Là, le foot. Non, en vrai, moi, ça m'arrangerait qu'il leur pète la gueule à ces cons. Parce qu'il va faire passer les garagistes pour des connards. Ça aussi. Pour ça, je lui ai dit où est-ce que c'était leur paillage. Parce qu'à tous les coups, ils ont eu l'info qu'ils étaient là-bas, les mecs. Ah non, Dieu! Hey, bon idiot. Bonjour! Comment ça va? Eh bien, et toi? Mais excellent cette voiture! Ouais, j'aimerais lui relooker un peu la peinture! Mais elle est mythique cette voiture! Elle se change pas! Je veux virer les gyrophares! Tu veux virer les gyrophares? Ouais! Ah, d'accord! Éteins tes vitres aussi! Ah, mais tu veux en faire un corbillard? Ouais! Ok, je vois. Ouais, je vois que tu comprends vite, tu connais ton métier. Ah ouais, ouais, mais j'étais là quand tu t'es fait embaucher en tant que gérant du cimetière. Fossoyeur, ouais. Merci. C'est ça. Hmm. Tu pourrais perdre question, tu crois? Je sais pas, aucune idée. En tout cas, cette voiture d'origine, elle est mythique. Hein. Je pense que tu as la ref. Elle est déjà pas d'origine. Hein. Ah ouais, je viens de comprendre, ok. Vas-y, je vais m'en occuper. Ouais. Elle est géniale la voiture. Oh là 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 là. Mythique. Le Ghostbusters quoi.
Ah non. Là, ça me rappelle de vieux souvenirs, mon dieu. C'est tout juste, hein. Regarde, je touche à peine le... À chaque fois, je viens de voir à des heures pas possibles. Hein? À chaque fois, je viens de voir à des heures pas possibles. Hein? Alors... Ah, mais ça va être en décalco... Ça va être en décalco, je pense. Ou en peinture. Je sais pas si tu veux la repeindre en noir, attends. Oh, ça peut être un décalco noir, je m'en fous pour moi. Mais déjà, la mettre en noir. Alors là, elle est noire, d'accord? Et là, faut changer. Là, ouais, faut la mettre en noir déjà. Ensuite, il faut changer le décalco aussi. Yes, yes. Un décalco assez funèbre, tu vois. Ouais, c'est trop un truc. Bah je vais laisser comme ça, écoute. Hein. Ouais, les couleurs mat, c'est le bordel. Mat, y en a pas là. Non mais tu peux la mettre en noir mat ou pas? Je peux tenter, mais je te promets rien. Ouais, je sais bien. Tente. Et si au pire des cas ça fonctionne pas, tu fais marcher la science. Non, ça fonctionne pas, on la laissera noir brillant. Par contre, les assurances, moi, tu sais, ils me recherchent un peu. Je sais pas si tu regardes bien, t'as une partie qui est restée métallique au milieu. Tu veux que je la mette en mat aussi? Au niveau de. En haut des portières. En plein milieu, pardon. En dessous des vitres. Ah ouais, bon, ça me choque pas. Non, laisse-la, ça fait. J'aime bien. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les gyrophares, peut-être? Tu veux que je les enlève? Ouais, enlever les gyrophares si possible. Éteindre les vitres aussi. Teinter les vitres. Alors, teinter les vitres, c'est possible. Mais alors, les gyros. Ouais, les gyros, je les avais mis. Ils n'étaient pas d'origine. Ah ouais? Ouais. Alors comment il a fait? Ah, peut-être sur le toit. Non. C'est pas ça. Ouais, c'est bien que tu te chromé au-dessus. Ça coûte cher, ça, cette connerie. Comme ça, là? Ouais. Non. Non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, bon, alors on va le mettre. Là au total t'en as pour Et pour combien là? Attends. Tranquille hein, pour le temps. Ouais, moi j'ai le temps. Résumé vente, tac. Donc là, au total, t'en as pour 22 935. D'accord. Donc 22 935. Et je vais essayer de trouver pour les gyros à l'avant. Ouais, faut remettre d'origine des gyros. Alors je sais plus si dans quoi. Alors là. À l'intérieur, je peux te mettre le cercueil. Ah oui, ça je veux bien. Ouais, ouais, ah, j'ai bien compris. Ouais. Ça coûte cher. Attends, je te dis le prix total maintenant. Mais non, ça coûte pas cher. En fait, toutes les pièces sont à peu près au même prix. Donc là, au total, t'en as pour 29 118. Ouais, ouais, toutes les pièces sont
aux alentours des 4000 hors taxes. Vas-y, ben mets-le. Mille se recueille dedans. Ah ouais, c'est fait, c'est fait. Alors l'aile gauche, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est, dis-moi tout ce que t'as. Je vais te dire ce que c'est. J'ai capot, putain. Calandre, peut-être calandre. Ouais, calandre, bon. Ah non, c'est l'avant, c'est l'avant. Ouais, bah oui. Non, c'est... Bah, il y a aile gauche, non. Capot, aile droite, toit. Non. Le toit, on a déjà fait. Il y a le klaxon. Le toit, il manque un bout, là. Bah, tu m'as fait enlever le bout. Ah, merde. Tu m'as demandé de mettre le chromé. Ouais, bah, laisse comme ça. Ah, si tu veux, je peux te remettre le dessus de toi. Ça va alléger. Ouais, je vais repayer après. Non, non, ça va alléger ta facture. J'ai rien fait encore. J'ai rien validé, si tu préfères. Ah oui. Oh ben, je veux bien de toi. C'est vrai qu'il manque un bout, ça aurait été rigolo que la voiture ait été plus rouge. Ouais, voilà, c'est ça, faut remettre d'origine. C'est dans l'aileron, j'ai trouvé. Ah, ils ont mis ça dans l'aileron. Ok, bah du coup, je t'enlève les gyros, quoi. Ouais, bon, nickel. Est-ce que. Tu veux pas ça comme ça plutôt? Non, peut-être non. Non. Voyons, il tient encore bien.